Bonjour et bienvenue dans le monde des Pokémon. Non, c'est faux. Alors, du coup, aujourd'hui, on va jouer à Man of Medan. On est deux. On est motivés. Ils vont tous mourir. Oui. Ouais, c'est bon. Pourquoi il me demande la clé? Bon, le jeu est en train de se lancer. Il va falloir qu'on branche la manette. Si c'est pareil, j'arrive. J'en sais. Bah sinon, j'ai un autre câble, hein, au pire. Mais je crois qu'il est moins réactif. Et qu'il cherche plus lentement le téléphone. Mais il n'a pas de scotch. Et là, clairement, à la verticale, Bah ouais. 35 degrés. Non, je fais. On va essayer de. J'ai branché ça, c'est quoi? C'est. Je sais pas lequel est la webcam, je sais pas lequel est. Ok, alors on va tester. Alors attendez, je vous mets l'image après, je fais juste un test. Hein. C'est bon, j'ai débranché le monde. Le suspense, t'es. Hein? Hop là. Hop, on va mettre la webcam. Tu peux éteindre la lumière ou pas? Bah, je vais voir justement ce que ça donne. Bon, ça va. La lumière te gêne? Non. Et elle peut faire un peu mal aux yeux. Sinon, je peux la mettre moins forte, tu vois. J'ai l'air pâle, mais je suis comme d'hab. Donc, du coup, Man of Medan. Je sais pas si la webcam est née là où elle est, mais. Alors, si on fait jouer seul. Peut faire continuer. Par contre, il faudra que je regarde si c'est bien. Il faudrait peut-être qu'on éteigne la lumière derrière, par contre. Et c'est ça que tu te demandais, moi. Ah, je pensais que c'était là que tu demandais. Non? Ah, ok. Bah oui, du coup. C'est que j'y aille? Bah oui, hein. Du coup, tu te Ok, brouilles. bah tu commences. Et vérifie que c'est bien. Et tiens, change de casque. Il faut que je te mette au-dessus. Ah, pas moi. Donc j'ai fatigué une du coup. Je suis revenue avant que ça charge. Que ça charge, je suis revenue quoi. Par contre, il y a le message là-bas, je sais pas ce que ça dit. Ça me dit qu'il faut une clé à rentrer, mais je l'ai acheté sur Steam, je vois pas pourquoi il me fiche avec une clé. Mais c'est peut-être une clé pour inviter un deuxième partenaire, non? Produit spécifique tel Ah, mais c'est vrai que qu'il t'as amené se. un truc là. Oui. C'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, il est revenu, il fait tout. C'est ça. Ah, c'est pas. Et dans les paramètres, je vais retourner voir pour les commandes. Icône Je veux dire PlayStation, donc en c'est bon. play. On est bien en PlayStation, tout est ok. Bon, j'aurais pu le deviner parce qu'il y avait une. Voilà. Bon, par contre, je suis Ouais. pas prête, hein. Vraiment, je suis pas prête. On en était. Ah oui, cette pièce-là, Ça on sert a. à On. rien. Si. Ils sont tous morts, non? Donc, on a lu ça la dernière fois.
Là, on avait regardé le truc et on a cru qu'il y avait une main qui nous accrochait le bras. Hop. La munition. Ouch. Ouch. Hop. Ensuite, bah retour. Je vois pas ce que je peux voir d'autre. C'est par où qu'il faut passer? C'est où la porte? Ah, elle est là. Voilà. Hein. Attends, et sinon, vers la caméra, il y a quelque chose? Non. Juste un gros plan de Juste un gros plan de sa face. Je suis pas prête. Mais pourquoi il veut pas? Il y a un qui veut finalement. Il a l'air très très à l'aise. C'est une mauvaise idée de se gratter quand tu risques d'avoir des QTE. Pas le droit d'éternuer, rien. Pas le droit d'avoir les yeux qui grattent. Ça, j'avais un peu peur parce qu'au début, il y a eu quelques vagues. Ouais, je pense qu'avec le chargement et tout ça, le temps qu'ils se mettent vraiment en route, il lag un peu au début. En même temps, mon PC est un peu obsolète aussi. Ce genre de live, il faudrait limite les faire sur ton PC. Ouais, on n'a rien paramétré encore. Faudrait. Faudrait qu'on mette le logiciel dessus et tout. Ça nous permettrait de jouer sur mon écran. Et on pourrait faire pas que des jeux d'horreur. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Watson! Comme le setup pour celui-là, c'est sorti pareil là. Puis y'a Dying Light 2 qui arrive. Ça va te falloir. Ouais, on pourrait le faire à deux sur ton PC. On pense en cours. Ouais. Sérieux, va le chercher. On doit faire attention. Bah, on a besoin pour démarrer le truc. Okay. Vas-y, dépêche. Ok, tu seras gentil de baisser d'un ton, mon gars. Ok. Ça sent le tétanos. Hein. Mais d'accord. Oh non, attends, je suis pas prête, je suis pas prête. Après, peut-être monter un peu le son des personnes. Des quoi? Des personnes, monter leur son, quoi. Ah. Tu peux pas te lancer comme ça, vieux. Dans paramètres? Ouais. Audio et langue? Volume principal, tout à fond. Bah, sous-titres, oui. Ouais, ça peut être. C'est mieux, justement, pour quand il chuchote. Ça s'entend, mais c'est pas. Et en soi, ça est-ce que nouveau, en fait. on a des grandes gamelles, c'est ça que tu essayes voilà, de dire? C'est ça. On a des grandes gamelles. Ah, attends, est-ce que le son il est là aussi? C'est ça? Non, le son est au max. Bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être non, là. Déjà... Je regarde. Hein. Si jamais, hein, peut-être que. Mélangeur de volume, peut-être que je peux trouver un truc. Ouais, son système, c'est pas la même chose. Je sais pas. Oh, oh non. Attends deux minutes. Je suis pas prête. Il y en a un des deux qui meurt, c'est sûr. Pourquoi pas les deux? Parce que j'essaie d'être un optimiste, monsieur. J'ai une nez qui me gratte, ça chatouille, c'est normal. Pire moment.
Tu lui fous un coup de pièce dans la tronche, ça marche, non? Oh là. Où sont passés les autres? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Il y a un truc qui tombe dans le... faire diversion. Vise bien. Heureusement qu'il fallait pas que tu vises. Sûr. Foutu navire de merde. Allez, faut qu'on les suive. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Je m'occupe de ça. Ah là, on devrait pouvoir les devancer, je suis pas sûr. Tu veux reprendre un peu le relais? Non, vas-y, vas-y. Je me sens tellement oppressée. Mais c'est quoi cette chapelle? Oh, c'est pas vrai, j'ai pas besoin de ça maintenant. Alors, à tout l'équipage, la section 7C a été convertie en chapelle jusqu'à la fin du voyage. Nous demandons à tous les membres d'équipage de garder le silence et de se montrer respectueux en passant près de cette zone. Okay. Il n'y a rien d'autre à voir ici. Ok. Genre ses potes ils ont des problèmes et tout et... Ils sont en train de marcher, ils font un peu de lecture... C'était quoi rien. C'était quoi? Quoi? J'entends rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chien. Oh il est sage. Il fait dodo là. Juste à côté de moi. On ne voit pas la cam. Alors. Ce bruit est insupportable. C'est quoi cet endroit? Il y a un truc par là, voir. Non. C'est assez linéaire jusque-là. Pas par là? Par là. Ah, il y a une porte là en fait. D'accord, ok. Pour moi. Une seconde. On est déjà passé par là. Alors, ça m'étonnerait. Je suis certaine qu'on est déjà passé par là. Tu nous fais tourner en rond ou quoi? Alors, par contre, moi je veux bien, mais il y a un truc là qui brille que je peux pas atteindre. Regardez là-bas. Des choses qu'on peut choper. Et jamais passer par une cuisine à la fumée. D'accord. Je bouge pas d'un poil. J'ai presque peur. Elle est possédée. Là, c'est un coup avoir un rat. Un screamer, tu sais. Oh putain, quelle horreur! Alex, voilà. T'as vu quoi? Rien du tout. Tu veux pas savoir. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi tu veux rien me dire? Parce que c'est dégueu, madame. Voilà. Hey,
D'après le menu, aujourd'hui, c'est ragoût. Miam. C'est comme si le temps s'était soudainement arrêté ce jour-là. Comme si le navire s'était figé. Soupe du jour, mademoiselle. Comme si t'étais un prank, chérie, quand on vivra ensemble, je deviendrai ton chef à domicile. Mon chef à domicile. Bah oui. Ah bah oui. Ah bah du coup... Ah ouais, tournez pas là. Je fais des petits tours, hein, des... Petits tours d'îlot. Ok, maintenant c'est quoi cet endroit? Je pense qu'on devrait essayer par là. C'était quoi ça? J'ai rien entendu. Ouais, c'est vrai qu'il faut saisir d'abord. Ok, on peut pas l'ouvrir? Ah, mercredi 10 juin, on n'est pas en mer depuis très longtemps, mais j'en ai déjà ras-le-bol de la bouffe. La ratatouille de ce soir était infâme. Je sais bien que les cuistots font de leur mieux, mais je tuerais pour avoir des aliments frais. La première chose que je ferai en rentrant, c'est de boire un grand verre de lait. Tous les journaux américains parlaient du massacre de Philadelphie, donc là c'est jeudi 19 juin. C'est dingue de se dire que pendant qu'on parcourt le monde pour protéger notre pays, nos propres concitoyens s'entretuent dans les rues. J'aurais bien besoin d'une bière après avoir lu tout ça, mais le capitaine a interdit la consommation d'alcool. Je sens que je vais compter les moutons. Voilà, 20 juin. Ok, allez, c'est parti. Les gars... Des gars ont organisé un concours de lutte dans une des cales aujourd'hui. Je m'en suis plutôt bien tirée jusqu'à ce que Wagner m'envoie au tapis. J'ai dit en rigolant qu'il devait être disqualifié à cause de sa taille, mais ça n'a pas marché. Il faudrait s'y mettre à plusieurs pour l'immobiliser, ce qui est pas très étonnant quand on voit ce qu'il s'est enfilé au repas. Donc à 21 juin, je pense que la marchandise stockée dans la cale a un rapport avec une escouade portée disparue. Le chef d'escouade, Jones, avait entendu parler d'une légende à propos d'une salle remplie de statues anciennes en or massif ayant appartenu à un très jeune empereur de Mandchourie. On disait qu'elles étaient maudites, mais c'est juste de la superstition. Je sais pas s'ils les ont trouvés, mais ils sont jamais revenus de leur mission. Peut-être qu'ils ont décidé de revenir maintenant. Enfin, décidé, je pense que c'est vite dit. Donc voilà. On commence à parler de la Mandchourie. Ok. Tu veux prendre un peu les commandes? Non, mais t'as pas encore eu de QTE alors. Ouais, mais. Vas-y. Bon, ça a soif. Y'a un problème. J'aime pas ce qu'elle me dit déjà. J'ai une deuxième. Je pense que. Faut se faire poignarder? Non, je pense pas qu'il faut se faire poignarder justement. Je pense qu'il faut éviter de prendre un couteau du coup. Autant ça peut te servir contre les méchants, autant ça peut te servir contre les gentils. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul ici, t'as pas... Il y a bien... Il y a eu un bruit, non? Pas tout seul ici. J'ai vu un truc, ça se déplaçait dans l'ombre. Calme-toi, inquiétude, c'est sans doute des rats. Des rats? Ça devait être des rats. C'est tout. Je t'interdis de te moquer de moi! Oh purée. Mais quel sale caractère!
annonce le divorce avant même de se marier. Ah, looping. Calme. Ok, je suis sûre qu'on est déjà passé par là tout à l'heure. On tourne en rond là. Tu veux faire quoi? Tu veux faire demi-tour? On est déjà passé par là. Elle m'agace, c'est normal. Ok, non. Ça, c'est trop glauque. Pourquoi? Des cercueils dégueux dans une chapelle flippante? C'est pas vraiment mon délire. T'as raison. C'est flippant et franchement dégueu. On ferait bien mieux de se tirer d'ici tout de suite. Ok, alors dans ce cas, est-ce qu'on peut se casser? C'est quoi, ça? Bizarre, toute cette place. C'est franchement pas le truc le plus bizarre qu'on ait vu aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt d'avoir une cale aussi grande si c'est pour pas s'en servir? Regarde celui-là, on dirait un modèle pour enfant. Je préfère pas savoir, on se tire d'ici. Je cherche la merde, je vais regarder toutes les... Il y a des sacrés verrous sur ces cercueils. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été enchaînés? Pour éviter qu'ils puissent sortir, voyons. Mon enfant. Non, c'est pas... Ok. Tintintin. Oh bordel. Non mais sérieux. Est-ce que c'est un humain? Enfin, est-ce que ça l'était? C'est quoi cet endroit bizarre? Faut partir. Vite. Allez, allez, allez. C'est quoi ça? Salut, Riri. Comment tu vas? Hé, hey, il y a le nom de ce type-là. On se fiche d'où ils venaient et où ils allaient. Ils sont morts et pas nous. Alors, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Je suis pas sûre, madame, par contre. Ça dépend de mes réflexes au quitter. Comment te dire qu'ils sont très mauvais? Non, mais il va y avoir du mort, hein, c'est pas grave. Oh, je sais qu'il y a un screamer là, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis content. Oui, mais j'ai peur quand même. Sérieusement? T'essaies de me faire flipper? Hein? On pourrait se tirer d'ici. J'ai sursauté comme un suricate. Voilà. Ça me fait chier de tuer des gens aussi, tu vois. C'est ça qui m'embête. J'ai eu deux screamers déjà. T'es sûr que tu veux pas reprendre les manettes? Non, t'as pas eu de QTE pour tuer une personne? Oui, mais je veux pas tuer quelqu'un. Ah, vas-y, vas-y. Tu veux mon casque? Bah ouais, on va échanger. Bon, ça va me mettre drôle. Ouais, j'ai peut-être pas besoin. Si. Ah, sinon t'entends pas les trucs. C'est moins sympa. PF. Faudrait qu'on PC les supporte. Je vais me laisser dans ma. Non mais sinon ce qu'on fera c'est sur mon PC. Quel bruit. Mais c'est que la tôle qui craque, c'est pas grave. Wow. Y'a rien qui dépasse ici. Mmh. Ça a l'air appétissant, hein. T'as quel plan? Hey, je rigole pas, c'est vraiment pas le moment de déconner. Je suis à bout, là. C'est pas délire! Non mais ça va pas, pourquoi tu l'as touché? J'en suis loin, hein. Pourquoi ça me l'a remis dessus?
Si on trouve des médocs, ils vont être... Aspirine. De l'aspirine. Il y a des trucs qui me filent mal au crâne, mais là, ça va. J'espère que t'es pas en train de parler de moi, très cher. Bah bien sûr que si, tu es insupportable. Bon sang! Ce type est mort de peur. Je voulais pas voir ça. Enquête avance. Ok, alors, il devait se faire opérer de l'appendicite, une procédure courante, et il est mort d'un énorme infarctus, ce qui est beaucoup moins courant. Alors ça, c'est clair. Non. Oui. Tu veux le revoir? Tu l'as pas vu? Le problème, c'est que tu peux rien faire de spécial. Il te suit du regard. Au corne. Ah. Trajectoire actualisée. Ah, je crois que le jeu il a planté là, non? Pas planté. Et tu n'as rien trouvé. Ah, on est toujours levé. J'ai raté un coup, tu étais content? Oui, il était marqué ah ouais, le couteau de cuisine. Ah, bravo! Ouais, bah ça, ça a pas l'air franchement sécure. Twitch. C'est vrai que ça, il a l'air un peu... Hein? C'était pas un chat? Pardon. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Je disais bien que t'es... Ah oui. Tu veux faire demi-tour, monsieur? Bonjour. Ah, bah non. Il porte sur une balle. Bonjour monsieur. Il est pas drôle hein. Mais dis-moi où on va au moins. Ouais, il y a des choses. Oh ouais, je regarde. Picabou. Bah non, c'est pas ce que tu vois ça. On peut pas le gruger hein. Mais je sais pas où ce que c'est.
Ouais, mais j'y suis. Ouais, toi, tu me saoules, hein. Ouais, mais j'y suis, Oh putain, ça, il fallait... Vas-y, mets-lui un... Arrête. Mets-lui un coup de clé. Touche pas à ça. Attends, mais j'ai peut-être raté quelque chose, monsieur, non? Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres, c'est ça? Il n'est plus là. Oh, mais laisse-moi fouiller tranquillement! Insupportable, monsieur. Faut pas activer la lumière là. Balance de la fumée sur sa face. Torche, là. Stop. Brouillard. Il n'y a pas une touche pour courir. Allez, c'est bon. Montre-toi. Pourquoi il s'excite comme ça, le monsieur? Merde. Bah oui, tout à fait. Faut pas être à cran comme ça, hein. Je les maudis, ce bateau de merde. C'est ça quand t'as un flingué pas de balls. SS. Mégane. Vise-moi ça. Médane. Ouais. Militaire. J'ai trouvé un truc. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai trouvé un truc. Oh, hey, tu me saoules, toi. Ça me téléporte. C'était quoi ce bruit? Mais qu'est-ce que. Merde, mauvaise touche. Tu la fermes, je veux plus t'entendre. Alson! Maintenant, bah ouais, t'as eu peur quand même. S'il te plaît, t'es pas obligé de faire ça. Pourtant, je l'ai vu arriver, hein. Bah oui, oui. Oh mon Dieu, nom de Dieu, ce type, il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire, tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau. Allez, tu sais pas de quoi tu parles. Où sont passés tous tes amis, dis-moi. Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. En vrai, tu vois ça, ça te dirait pas de mettre ton doigt dans sa bouche? C'est pas ce qui pourrait choper ma main. Alors, pas vraiment. Alson! Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi? T'as réussi? Oh toi, genre. Mais lui dit toi. Non, je voulais la première mission.
Mais lui, il a pas voulu. C'est quoi ce bordel? Je le crois pas. Ouais, mais je regarde s'il n'y a pas un truc ici d'abord. Un sorcier. Ah, d'accord. C'est tout ? Ah ouais ? Moi je m'en sors un peu. Ah, j'ai regardé Netflix. C'est quoi, genre ? Bah ouais, bah écoute, moi je t'ai déjà dit, ce genre de choses ça ne me. Ça ne me marque désolé, pas. Je suis désolé. Rien dire. Ok. Lève-toi. Faut qu'on avance. Quoi le succès? Oui, capitaine, je crois. Conrad. Elle est en froid avec. Pourquoi? Pourquoi? T'es un connard avec Conrad. Non, c'est lui qui a été un connard. Ça doit pas être bon signe. Hallucination, Garotrophion. C'est la devise dans la vie. Ça vient d'une parodie audio. Mets ta gueule solide. Alors est-ce que c'est... Charles Thérèse.
Ah, Charles, c'est celui qu'on voyait dans la cinématique. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que je retiens très bien ce genre d'infos. Personnage qu'on a joué. Oui, bah oui. Je sais pas comme ça change de perso. Hein. Je me suis dit que tu voulais reprendre. On prendra tout. Ouais. Bon, parfait. Voilà. C'est ce que ça lui inspire, Pas très courageux ça. Non, en effet, ce soir je suis pas courageux. Pourtant, j'ai regardé des vidéos avec des gens qui jouent à des jeux d'horreur pour mettre dans. Ça va? Non, non. Pourquoi? Eh non, merci. Bah ouais. Alors, il est. Il... Super. Ah ben, il reste tous ces couloirs se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Moi je m'en fous, hein. Ça me fait pas spécialement hey. Peur alors. Fliss, hey, t'étais passé où? Il faut partir. Il faut partir. J'ai déjà vu cette scène. Ah, ça c'est. C'est une boulette. C'est bizarre. C'est une balle avec ton nom marqué dessus. Ah, boulette. Bouh. J'ai déjà vu ce couloir. Est-ce que t'es vraiment sûr? Tu la fermes et tu avances. Ah bah tiens, il a changé de captif. La ferme et avance. T'avances et c'est tout. Bah je vois plus rien monsieur. T'as des grosses fesses. Oh merde. T'as pas besoin de voir pour avancer. Ah il a l'air très avance bateau. J'ai une balle avec ton nom marqué dessus. J'ai pas décomposé. Je suis déjà passé par là. T'es sûr que. Quelque part un arme torche. Le pistolet? Je te dis, hallucination. Collective! Quoi? Non. Un sur 10 ans. Garde retrouve. Voilà. Explique la balle. Oui, il l'avait. Tiens, je le fais. Non, non.
Bah, je sais pas. En tout cas, il a fait le carré, j'avais même vu avant le... Ouais, non, il est pas mort, regarde, d'accord. Bon, et maintenant ? Passe une sale journée, je crois. Il a changé de couloir au moins, c'est déjà bien. Il peut pas tourner là. Par contre, les déplacements, qu'est-ce qu'ils sont lents. Non, redescends, j'ai pas fouillé au bout. Saute. Saute, vas-y, redescends. Vas-y. Attends, il peut même pas. C'est sûr que c'est très effrayant dit comme ça. Tu vas te faire respecter, monsieur. Ah, non, non, j'entends rien du tout. C'est juste dans ma tête. C'était une porte qu'on peut pas ouvrir. Non, non, c'est... C'est un tableau, moi. Des squelettes. Et votre peau, les gars, elle est partie où? C'est une belle clé. C'est une belle clé. La laissez partir. Pourquoi? Je sais que ce qu'est cette clé. Bah oui, mais t'es pas obligé de l'utiliser. Et je devrais pas voir ça. Hein, madame? Et comment tu fais pour déposer un objet que t'as déjà une action dessus? Donc Ah merde, attends, j'ai... Oui. Ah, on va peut-être Allez. Ah, c'est big. La situation radio. Nous avons tenté d'envoyer des messages aux heures suivantes. De réponse. 1h10, 1h20, 1h30, bref. Nous avons pu capter des messages indirects du CAR. Bon. Nous n'avons plus reçu aucun message après cette. C'est possible que. Des vérifications et deux autres qui se parlent. Je suis d'accord. Je peux pas mettre mon doigt dans sa bouche. Alex? Julia? Jamais de la vie. Tu veux reprendre? Genre 2 minutes avant la fin? Non, mais alors, Fliss n'a rien trouvé d'utile dans la cale.
Bah ouais, mais il y en a un monsieur qui m'emmerdait tout le temps. Moi j'ai raté beaucoup dans la vie, mais... Et tu me râles dessus quand je prends des clés, alors... Pourtant c'était une belle clé. C'était une belle clé. Il a l'air fantomatique. Mais stressez pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle qui repasse une mot. Tu as une balle avec ton nom marqué dessus. Voilà, elle est plus petite la balle. Hein. C'était un nom de sacro, genre 1. Viens, mets tes coups d'assaille! Mais non, tu te sauves, c'est une hallucination. Tu peux pas voir la suite, c'est ça? C'est pas une hallucination. Ils sont pas ensemble depuis tout à l'heure, et puis là d'un coup ils se retrouvent pile au même endroit en même temps. Hein, ça. Ah, c'est là où il y avait le sorcier. Ce sont des choses qui arrivent. Dîner aux chandelles. Vas-y, assis-toi. Assis-toi. Elle veut pas. Cet endroit. Pourquoi? Ah, c'est le repas de ce soir. Omar avec Revis, ok. Couper le 200 avec Ramor. Oui, je pense que c'est quelque chose. Ouais. Tu lis ou pas? Oui. Alors, la cabale doit silencieusement se réunir et que 5. Sans que 5 membres saints de corps et d'esprit, 3 femmes et 2 hommes, premier né, le visage encapsulé. Important pour le sorcier et le bien-être spirituel, fidèle qu'avant la fête à Bretmer, Akramahei, soit. Tu peux répéter, ça n'a pas été bien dit. Afin que la cabale chasse les démons. Un pentacle doit être tracé et chaque membre doit se tenir à l'une des pointes. Une femme portée par la mère doit être placée. Alors l'assemblée doit réciter l'incantation de Soras, épée à la main, avec une incantation telle qu'elle est écrite. Nous, cinq, nous tenons au point les plus éloignés. Nous demeurons à portée. Sans symbole étoilé, tournez-vous 90 degrés vers la lunette. Dans le pentacle et la poire, l'épée devant vous en ce. Oui, oui, c'est ça. Degrés vers là en traçant. La constellation. Au nord. Ouais, ah, je. Sinon. Attends, je vais. GG pour ton up sur le live. Mais. Comment je fais.
L'épée devant vous et vous tenez avec ferveur le pentacle de sac de pachon. Chaque membre fait un pas en avant, maintenant la posture de réciter à l'unisson. Nous sommes unis et sauvés. Osoraste est notre Seigneur. Osoraste, par le sacrifice, implorons de de nous libérer des démons nous hantent. En ton nom, versons le sang de l'homme pour les cinq membres doivent converger vers Alassa à la main et à tour de rôle pour débarrasser le pauvre corps de son sang impur. Anne, point d'arçon, arbre. Le corps doit ensuite être placé dans le sens d'âge exposé, afin de rappeler aux fidèles que le mal est toujours à l'affût et que le pouvoir de son race est en couvert. S'achève le rituel, différent esprit de feu. Ah, on va voir la suite. Salut, Charles. T'as vu? T'as le fils avec moi? C'est faux. Ah, une fille. Y'a une fille avec moi, mais on voit pas. C'est faux. Quelle maladie. Alors, c'est un chien. Un chien et il est à côté de moi. J'ai l'air d'avoir envie de vous. Waouh, c'est joli. J'ai pas envie d'y aller, genre une sorte de sortie. Par l'image, si vous. Belle boîte. C'est une belle boîte. Et si on rouvre, ça change de. C'est ça, non? Bouh! Ah, bah non. Ils auraient pu faire un tour de magie, hein. Tu sais, tu l'ouvres et y a rien, et tu rouvres et pouf, cadavre. T'es devenu un chat. Et le film, finalement, ça t'appelle. Oh. Là, je joue un peu de piano. C'est tout. Je m'attendais à un concert, moi. Que là, la note de vie. J'ai vu le piano, il m'a répondu. Ah ouais, j'ai vu entendre. À la fontaine, quoi. Avec les traces de sang un peu partout, là. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, le truc par terre. Hop. Ah, c'est les. Ah, mais elle ouais, je viens de boire, ça va, je me. J'ai pas trop besoin. C'est la prémonition, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ah. D'accord. Il est mignon. J'ai bien aimé ses sourcils, ils sont bien faits quand même.
dans le trou. Ah, notre pote, ça. Alex. Ton mec. Il a dit oui. Ah oui, elle récupère la bague, hein, bien sûr, hein. Non, regarde, elle a repose. Respect. Annie. Franchement. Est-ce que ça va? Merci. C'était moi une. Il faut qu'on se tire. Ce type est toujours dans le coin. Merde! Tu veux le faire? C'est pitié qui me fait. Elle va le prendre, les malades. Tu veux le faire, mais tu veux pas vraiment le faire en fait. Ah merde! J'ai eu un spasme. Allez, continue! Ça veut dire quoi? Tout est terminé? Courir. Ohio. En mode japonais. Hola, que tal? Ah merde, comment on vise des... comment on tire? J'ai appuyé sur toutes les deux. On se passe. Oh putain, c'est pas vrai. Il est parti. Alors...
La chose qui ressemblait à Alex Foy. Le couteau de cuisine, t'aurais pu le tuer avec ça, en vrai ? Je pense que t'aurais pu. Tu vois, le couteau de cuisine. Non, ah non, bah ça s'est mis dessus. C'est un autre alors. T'as vu, c'était lequel ? Il y a deux couteaux, il y a le couteau. On a de quoi ? On a. Je crois que c'était un soute et c'était plus que l'autre. Ouais, c'est moi. Allez, on bouge ! Putain ! Faut qu'on aille se mettre à l'abri. Dans l'eau ? Tout va bien ? Entends ? Je pense. Pour ça que j'ai rigolé. Ouais, je crois que c'est une bonne planque ici. Ouais ! Bah oui, tout à fait. RDV chez le psy ? Ouais. Oh, comme tu veux. Bonjour. On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas ? Je te laisse gérer le chat. Étant donné que je ne pourrais pas le faire. Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Ratez les QTE. Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider avec un petit indice. C'était quoi ? Pas de spoiler. Vous pensez peut-être percer le mystère avec les indices que vous avez trouvés. Tu veux mourir, toi ? Non. Je vous souhaite bien de la chance. Je connais déjà le jeu. Moi-même, en connaissant le jeu. En train de comprendre quelque chose ? Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. C'est mon lit. Gardez-le à l'esprit. Comme le chien. Alors, ouais. N'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis ? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles ? Oh non, allez, mais ils vont tous crever, t'inquiète. C'est cool. Au revoir, monsieur le psy. Lequel meurt en premier, par contre ? Ah. Je parie sur le binoclard. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau ? Faut qu'il y en a un, il s'est barré, on sait toujours pas ce qu'il est devenu. Hein. Un truc maléfique, voire complètement. Il se barré, il fait c'est bon, j'ai plus de sœur, beau frère, bats les couilles. Et essayons de pas perdre les pédales, d'accord ? Freeze, j'ai pas réussi à la pécho. On aurait dit de vieux soldats. Elle était tellement désagréable avec moi, je me casse. Après, il l'était plus et. Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles ? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex, c'était un cauchemar. Julia, je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein ? Oui, je sais, mais... Tout ça peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Mais là, on nage en plein délire. Ça peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr ? Qu'est-ce qui est bien réel ? Quelqu'un a vu l'or ou autre chose ? Il est peut-être temps d'admettre qu'il n'y a pas d'or ici. On l'aurait déjà vu sinon. Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Aucune idée. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Je
des blocs ou on est sur un vaisseau fantôme? Genre, les vaisseaux fantômes existent, c'en est un, et on est coincé dessus, et putain, on est carrément dans la merde. Ouais, c'est une façon de voir les choses. J'ai trouvé une lettre, j'y ai jeté un coup d'œil. Apparemment, les gardes voyaient des fantômes effrayants. On a trouvé un mot disant que plusieurs soldats ont essayé d'esquiver leur tour de garde parce qu'ils avaient peur d'un truc. Au moins, exactement. On en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. T'aurais pu me le lire. Ça te parle surtout à toi, ça. Bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être. Spirit Box. Mais écoute. Ouais, c'est pas bête. Mais quel âge avez-vous? Répétez, fantôme. Quel âge avez-vous? Tout avec ça. Je me doute. Ah ouais, mais quand je fais la Spirit, j'ai pas le choix. Tu sais, quand il vient te murmurer « Hold » à l'oreille. Ou « Die !» Tu comprendrais si tu jouais à face-pro. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Sandek, je crois que, en termes savants, on est carrément... Je suis pas sensible à ce genre de choses, moi, madame. Hmm? Je ne suis pas sensible à ce genre de choses. Ben... Moi non plus. Quoi, tu me crois pas? Je sais que ça paraît dingue, mais c'est peut-être César. Une balle, c'est une cartouche de. C'est quoi, c'est. Ouais, douille de but entière. Ah, je croyais que c'était des cigares, moi. Bah, sur le coup, c'est ce que je me suis dit, et ça ressemblait je pas. Je me suis dit, c'est de la bonne. C'est ça qui a démarré le truc, tu vois. Un bon cigare cubain. Jamais, hein. Un truc qui a mal tourné, quoi. Alors. Cool. Dommage qu'il soit troué comme du gruyère. On va le mettre à l'eau. Ah, je pense que pour le porter, ça risque d'être un peu. Pas sûr qu'il reste à l'eau longtemps en plus. Mais dans l'eau, oui. Ils peuvent dire Crucified aussi. Oh, c'est glauque. Alors, voilà, juste par là, c'est des choses. Pas l'heure. Ce bruit de vieux rafiaux. On peut monter? Malheureusement, non. Mais je vais garder l'œil ouvert. Encore? Oh merde. Sur ce thé. C'est vu? Oui. Alors, calme, je sais pas, mais moi. Ah moi, je l'ai vu. Je l'ai lâché! Alors, attends. M'attrape pas le bras, s'il te plaît. Utilisation des masques à gaz. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. Si vous détectez du gaz ou entendez l'alerte au gaz, 1. Ne paniquez pas, respirez calmement. Et criez de manière compréhensible. Gaz, gaz, gaz. Pour avertir les autres personnes à proximité, retenez votre respiration. Looping, c'est ce qu'il faut que tu cries. Oups, j'ai déconnecté la manette. Tu peux remettre la manette. Oups. C'est bon. Ah, bah du coup, faut que je reprenne la note. Vous êtes prêts? Quoi? Je voulais juste que notre chat nous prévienne quand il gaze. Alors, 2. Attache le porte-masque à gaz en plaçant le sac sous votre bras gauche. Faites passer la sangle par-dessus votre épaule droite et accrochez. Ah bon, écoute, j'ai pas un câble de 2 mètres. Hein. Bon, c'est un petit tuto quoi pour mettre un masque à gaz. C'est peut-être sympa. Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux. Ah, t'as un indice en plus. Il a dit quoi?
ils doivent transporter quelque chose de dangereux. Parce qu'ils avaient besoin de masque à gaz avec toute une notice de comment on utilise le masque à gaz. Bah oui, donc. Complètement... Ouais, mais. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce que c'est, alors. Hé hey, j'ai rien contre un petit coup de main. J'aurais peut-être dû aller au bout du chemin pour essayer avec quelque chose. Je crois bien qu'on peut monter par là. Toujours comme ça, de toute façon. Viens m'aider. Lui, il a eu pris le temps de prendre des chaussures. Je vais t'aider. Elle a pris le temps d'essayer de choper le tétanos. C'est bien, au moins il propose pas de se séparer. Dans deux secondes. Ils sont séparés. Y'a rien là. S'il a envie de se débarrasser de son petit frère, c'est le moment. Y'a rien, il faut monter. Ah bah let's go. Toi tu peux pas le pousser? Ouais, je suis sûr. Déjà les mamouettes, c'est horrible. Ce genre de jeu, ça me tue. Ça me tue tellement de stress. C'est toi qui as voulu faire, hein. Oui, bon, j'aime bien regarder les gens jouer, en fait. Je pense que ça se joue. En fait, c'est les QTE, ça me stresse. J'ai l'impression d'être de paniquer, en fait. Du coup, c'est pire que... Je veux rien voir bouger à l'intérieur. C'est moi qui le dirige ? Ok. Faut passer par là, je parie. Par ici ! Non, on n'est pas obligé, vraiment. Hein. Tiens, rien qui vaille. Ah oui, c'est vrai. Layers of Fear, non, je connais pas. Je connais pas non plus. En même temps, est-ce que tu connais des jeux d'horreur? Mais il est tout seul! Mais le con, pardon. Une réaction peut-être un peu violente. Yes. La mort. Ah non, quelqu'un d'autre avec moi. Il y a mon frangin avec moi. Est-ce qu'il y a plus d'explos à faire? Il est pas rentré avant toi? Non, j'en sais rien, écoute. Prémonition. T'es prêt à ne rien comprendre? Il s'est tiré une balle lui-même. Ouais. Et est-ce que t'as vu qui c'était? C'est le mec avec le tatouage. J'ai rien vu qui brillait. Tu me dis si tu vois quelque chose qui brille et que je... Si ça se trouve, hein, je pourrais peut-être ne pas voir. On peut passer par là, non? Vous avez trouvé la radio? Mais ils sont tous là, en fait! Bon bah, je pense qu'ils ont ouvert et ils sont tous passés, c'est pas possible. Moi qui ai halluciné, je pensais qu'il était rentré tout seul. Mais j'appuie en fait. Il y a un problème là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, mais sur l'océan. Ah, c'était il y a plusieurs années, madame. Calme. Je ne sais pas tout. Merci. Ouais. Mmh. Il veut plus briller. Je suis à côté, il veut plus briller. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Tout ce secret pour une pièce. Position. Donc ils ont dû changer de trajectoire parce qu'il y avait des tempêtes.
Allez. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. Émission d'appel de détresse. Contact radio intermittent, tentative de SOS en morse, nombreux membres d'équipage morts. Ça sent le désespoir. Je meurs. Ok. Toi qui fais des bêtises. Ah, une biatch, hein. Regardez ce que tu m'as fait tout à l'heure. Non. Bon, non, j'ai rien fait. Putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant. Je vais la tester. Ah, ça fonctionne! C'est une station de nombre. Une fréquence militaire. On demande de l'aide. Hé! Hé! Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent! Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives, 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux. Allô? Allô? Quelqu'un me reçoit? Hé, hey, répondez-nous! Hé! Hey, par là, regarde! Si on descendait dans le trou flippant? Oui! Oh, God. Comme il est mignon. Tu peux pas faire un coucou à la caméra? Croquette! Fantastique! Ça doit forcément Gâteau. Mener quelque part. Gâteau. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en manger. Marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Eh, hey, petit frère. Oui, t'es heureux tout à l'heure. Je me disais que tu méritais une promotion. Range un médium, t'en penses quoi? Mais de quoi? De quoi tu parles? T'as pris la barre, frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Engin pour la vie. Les frères. Ok. T'es vraiment sûr de toi? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non. Tu seras pas toujours là pour me protéger, Musclor. Je peux me débrouiller. Crois-moi. Oh, oh, oh. Si Julia dit qu'elle peut gérer, on peut se débrouiller. Musclor. Bon, c'est plié. Ok, Julia. On est parti. Non. En fait, je suis pas d'accord. J'ai pas eu de QTE, c'est pas ma faute, hein. Et voilà, t'en as tué. C'est pas moi qui l'ai tué. T'en as tué, là. C'est pas moi qui l'ai tué. Tout va bien, j'ai juste le tétanos. Pour la 40e fois. Elle l'a vraiment, hein. Elle a une coupure sur la jambe. T'as rien cassé? Est-ce que tout fonctionne? Tout le monde va bien? Ferme-le un peu. Tout va bien. On fait quoi maintenant? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok, on attend près de la radio. Hey. Après toi. Merci, Julia. C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. Vu comment t'es tombé très bas.
Sick Bay, c'est pas l'infirmerie ? Par là qu'il faut aller, non ? Ah, j'aime pas ce passage. J'aime pas tous les passages, je crois. Voilà. Semaine de détention, donc le lundi c'est Arthur Miller, le mercredi c'est Davis. Vendredi, et il y avait un certain Joe à l'infirmerie. Okay. Je n'aime pas. Ouais, oh, attends. Il y a des choses à voir. Je peux voir un truc briller, c'était dans ma tête. Je crois que c'était dans ma tête. Il y a autre chose là-bas qui brille. Mais bouge ! Elle est vilaine ! Il y avait deux choses qui brillaient. Rapport du médecin, compte rendu de réunion entre le scientifique X, l'adjudant chef Walter et l'adjudant chef Tom Palmer. Observé de. Chargé d'observation et de. Voilà. X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe et ajoute que nous avons beaucoup à apprendre, la même chose. Ça doit être. Quoi ? Mais laisse-le ! J'ai envie de bouger la webcam pour leur montrer. Tu crois que je peux ? Bon. Non. Mais arrête ! Laisse ce chien tranquille ! Tellement mort. Mais c'est rare qu'on a deux dans le canapé, il en profite lui, hein ? Je te protège. Arrête ! Il y a une histoire de bagarre. Dix jours au trou ? Waouh ! Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça. Ah, oh, une petite droite, c'était rien. Franchement, c'était rien. Tu peux reprendre ça, Mitch ? Je vais rapprocher. J'ai pas besoin. Eh, je t'ai réveillé ? Je t'ai réveillé juste en enlevant ça. C'est bon. Ça calme mieux mon dos, en fait. En avoir deux. Ça te gêne ? Je viens de me rendre compte. J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes ? Eh ben, dans d'autres circonstances, cet endroit doit être totalement dément à explorer. C'est unique. Ce sera sans moi, c'est clair et net. Dis la fille qui rêvait d'explorer une épave. La ferme. Alors, il y a là. Je peux avoir, apparemment. Alors déjà, là. C'est peut-être le fils d'un membre d'équipage. Ouais. Pour papa, reviens vite. Je crois que c'est jamais arrivé, du coup. John Peterson. Névrose modérée. Bon pour le service, d'accord, ok. Que la personne qui était. Merci avec Camille pour ta visite. Cas avéré de TCG. C'est quoi les TCG ? Oh la vache ! Bon, on est d'accord qu'on touche pas, hein ? Ouais. Et voilà. Pourquoi ? Ça répond à tes questions ? Bon bah écoute, du coup, je crois que c'est tout dans cette pièce.
Elle est flippante, elle va attendre de l'autre côté. Alors, je viens de là. Il y a quoi à voir là-bas? Tu es en train de fixer un mur, en fait. Ok. Donc là, il y a un truc. Eh, viens voir un peu ça. Je veux pas de QTE. Regarde, là-bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends. Est-ce que ça va? Ouais. Impec. Descends voir. On a de la chance que la structure elle tienne bien quand même. Hein. Et là clairement c'était un peu du souci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était là. Tu l'as pas vu toi? Pardon. Ok, donc moi je vois des trucs, mais toi tu vois rien. Ça va? Ok, donc bah ouais. Voilà mon raisonnement. C'est surtout toi qui veux demander c'est ça. Le bateau transportait l'or de Mandchourie. Hein? Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et hein? On sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être qu'il en reste. L'escrimeur, ça me fait moins peur que l'équité. Que nous aussi, on en ressent les effets. Des hallucinations. Ça se voit pas. Tous ces trucs déments qu'on a vus, c'était pas réel. L'équipage hallucinait. On sait qu'il craignait quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme, mais une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Ok, donc l'avion devait vouloir les aider. Il a répondu au signal de détresse envoyé par le cargo, on le sait. Mais j'imagine que la brume avait déjà fait des dégâts, et ils ont abattu l'avion sans qu'on sache pourquoi. Qui sait ce qui leur est passé par la tête? Ou ce qu'ils ont vu? Bon sang... Ok, faut déjà, il a la théorie. S'il vous plaît, pas de QTE. Pas faire de QTE. Van Linden Engine Works, Rotterdam. Hey, bar moteur diesel, numéro 1734, 1920, type L87 CSE. Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas sûr. Le détail, pas important, mais ils ont pris le temps de mettre le détail, et ça c'est beau. On peut aller par là ou de l'autre côté, c'est... Tu sais ce que j'aimerais? Être au sec? Ouais. Je sais pas par où je vais en vrai. C'est possible d'aller des deux côtés, mais comment je fais? Ah putain. Ah, peut-être pas par là du coup si. C'est un beau livre. C'est une belle clé. Ça, ça m'étonne de rejeter le graphique de la salle machine. Ça, j'ai une vitesse. Le lieutenant est présenté pour prendre la relève. Je lui ai confié le moteur à deux vitesses, sans ordre spécial possible. Et aussi. Je lis dans ma tête, hein. J'en ai marre de tout lire. Et en fait, c'est tout ce qui a été fait dans la salle de moteurs. Le navire avait jeté l'ancre. D'accord, ok. À 1h32, on sait qu'ils arrêtaient de répondre à 1h34, un truc du genre à la radio. Ah, ça c'est de là où je viens, et là ça doit être là où je dois aller, je suppose. Ça fait de faire demi-tour. On va être comme si j'étais chez moi. Hein. Bah vas-y. Un peu plus flippé que chez moi quand même.
Il n'y a rien à voir, rien à voir. Je veux pas sursauter, j'ai pas envie. Là-bas, tu crois que c'est un... Ah, tu peux aller là-bas. À ta droite. Ma droite. T'as pas un truc email? Non. Ah, si. Hé, hey, hé, hey, je l'ai trouvé. Ah, trop bien. Il fonctionne. Il reste juste qu'il va exploser. Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Ok, allez, c'est parti, on remonte. Il y a sûrement un autre chemin. Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous m'entendez? À vous! Quelle est votre situation? À vous! On a besoin d'aide, et vite! Il y a des trucs sur ce bateau qui essaient de nous tuer! À vous! Un bateau de sauvetage avance vers votre position, à vous! Allez, marche, putain! C'est bien, t'as pu transmettre le message. Par contre, ils n'avaient pas répété les coordonnées, j'espère qu'ils avaient bien noté la première fois. Tu les as donné deux fois déjà tout à l'heure. Encore un mort! Mais c'était combien? Oh! Ah oui, puis lui il est bien mort. Un petit trou dans le crâne, non? Ouais. T'en penses quoi? J'aime pas ça. On a attaqué ce cadavre récemment. Trop récemment. Comment tu sais que c'est récent? Ouais, il peut être n'importe où. On perd du temps là, allez. Ah, je check, madame. Calme. Una prémonition. Tan tan tan. C'était quoi, j'ai pas eu? Une porte de garage qui se fermait sur la tête d'un gars. Genre, dame et genre, tu veux que revoir? Attends. Il y a bugué en même temps, hein. Ah, ça va. Faut aller dans le menu? Dans les tableaux. C'est lequel? Celui qui ressemble au tableau qui est sur le mur? Celui-là? C'est pas celle-là. Vite, relance, fais voir le tableau. C'est celle-là. C'est pas celle-là. Vite. Mais non, je l'ai presque. Il est bleu. Tu vois, c'est celui-là. Tu m'écoutes pas. Je l'avais. Je l'avais. Non, tu l'avais pas. Je l'avais. Là. Oui, mais cherchais dans les nouveaux aussi. Non, drôle. Pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà celui-là. Ah, il me paraît laisser plus bleu sur l'image. Attends. Bah non. Ah. C'est moi qui avais raison. Non, c'est moi. Ah. Espèce de chèvre. Et bah, si je suis une chèvre, hein, tu sais ce que t'es? Un bouc. Oui. Tiens, j'ai encore raison. Non. Arrête, sinon je commence à t'appeler Biquette. Regarde ça! Le recycleur! Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke of Milan. Tu crois qu'il marche toujours? Il y a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Ça nous fera perdre du temps. Laisser ou assurance le prendre. Bah écoute, on va laisser. Hein? Ouais. Ouais. Chier. Bah ça va être super lourd à porter. Hein. Je sais pas. Bah ouais, pour quelques. Bah, écoute, déjà au pire, j'ai tué quelqu'un, ça change quoi? Quelques minutes en plus de survie sous l'eau. T'as perdu la tête ou quoi? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde!
Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Il est pas très poli, quand même. Non. Écoute. Écoute-moi. Non! Fais pas ça! T'as qu'à mort! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Oh, merde! La pièce. Oh, ça sent les cuteux, ça. Arrête, je veux pas de cuteux. J'ai envie de te refiler la manette déjà, là. T'as dit QT, t'as pas dit battement de cœur. Ça fait partie du, des QT, ça. Alors, attends. Hop. Mais pourquoi il a fait ça? Il est con. Il faut qu'on fasse très attention. Il est devenu complètement cinglé. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Putain, c'est ça que je voulais faire. Moi, je veux récupérer la pièce. Une barrière, c'est ça. Je voulais récupérer la pièce. La pièce, elle est où? Alors toi, ça bague. Oh, merci mon Dieu. Putain de merde. Est-ce que vraiment c'était la peine? La bague. Non, je suis pas prête. Arrête, arrête. Je suis pas prête. Pas la peine de vous cacher. Petite merde. C'est horrible. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part. Oh putain. Si vous n'avez pas tout l'or, vous allez me laisser crever. Crever. Mais c'est moi le capitaine. T'es trop vite. Ouais. Faut pas le double spam. Ouais mais... Ça, ils vont... Ça passait vite hein quand même. Ouais, t'en fais pas. Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... choses. Yes. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Voilà. Lentement. Ok, c'est bon. Personne change. Ça suffit. Les mains en l'air. Lentement. Non, non. Non, pas comme ça. J'ai dit, personne change. Juste, baisse ton arme, allez. Ça nous évitera un drame. Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un? Vous croyez que j'avais le choix, peut-être? C'est à vous aussi, pas vrai? Est-ce que je me trompe? Ah, ça recommence! Tout ça encore transformé! Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! Restez loin de la brume! Quoi? Mais il n'y a pas de brume! Respirez pas,
Faites gaffe à la brume! Mais c'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène à la vie des choses qui ne devraient pas être vivantes! Elle est entrée. Elle est avec nous, là! S'il te plaît, calme-toi! Stop! Stop! Elle est dans l'anneau, pas vrai? Pose ton flingue maintenant, allez! Elle a flingue aussi, Valent! Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré! Ça se produit. Je peux le sentir! Ok, écoute-moi, c'est vrai, j'ai vu un truc tout à l'heure. Un genre de brouillard ou de brume. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré. Non, on a retenu notre souffle. On n'a pas respiré de ce truc. Ah, vraiment? Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire? On est ici depuis des heures! Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps! Et là, vous respirez pas! Oh non. C'est la brume, elle est entrée en moi, c'est ça? Elle est en moi, pas vrai? C'est ça, totalement. Oui, c'est toi. Je sens qu'elle est en train de se répandre partout! Elle me transforme! Je sais pas. C'est les deux sont un chien. Non, je vois rien du tout. Tu vas bien, vieux. Il y a pas de brume. Arrêtez de me mentir. Je pense que j'aurais dû ne rien faire. Pas vrai. Vous montez tous. La brume est en moi. Eh hey, vieux, allez, pose ton. Bon, au moins on s'en est débarrassé. PR1. PR1. Trop tard. Hein? Je voulais voir la trajectoire que t'avais fait. T'as noté. Et du coup, comme ça, là, faut chercher. Et si tu l'aurais fait tout de suite, tu l'avais dit. Ça c'est le porte-salaire. Je ne sais pas. Moi je cherche les touches, hein. R1, L1, je sais pas de quoi. R1 c'est à droite. Mais j'arrive jamais. R1 c'est ça. Oui mais j'arriverai pas. R1, tu me dis, mais dans deux secondes j'aurais oublié. Attends près de la radio. Pourquoi? Je vais aller faire un tour, pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Je vais pas très loin. Reste près de la radio. Et ils se séparent! Quelle bonne idée! Oh, vas-y!
Il y a un moment, t'as failli rater, j'ai entendu une double spam. Tiens, allez, ton tour, un peu de stress. Essaye de tenir une ligne. Tiens, avance-moi là-dessus. J'ai vu le grand type. Il avait la tête d'allumage. Il faut qu'on suive. Et bah... Ça doit être ça qu'on a entendu. Oh non, c'est quoi? Peu importe, il nous faut cette tête d'allumage. Là, il est sûrement passé par là. Un peu ça. Intéressant. Le voilà. Ouais. Ils disent, ils demandent s'ils peuvent passer par dessus. Ils sont fous. Il y a un truc ici. Moi j'ai pas raté les trucs et il est pas tombé dans le vide. Et il est mort. J'arrive pas à faire ce saut, Alex. Je vais devoir trouver un autre moyen. Comme tu veux. On est rapide. Non, c'est bon, j'ai... Mais... Il va pas s'en remettre. Merde! Ça va, déraguer. Tiens, tiens. Je dirais que la chance nous a souri. Mais tu sais pas? Barre-toi, en fait! Qu'est-ce que tu vas toucher? Arrête, en train de bouffer un homme! T'es obligé de le faire?
Bah si, plein de rats. La tête d'Almage, c'est pas... Mais il est débile. Ah. Hey, t'en fais pas. Oh, mais merde. C'est pas vrai. Please. Je te tiens. Aïe aïe aïe. Attaque surprise du chat. Alors c'est une attaque chez toi du chat déjà. Ah le chat parce que j'ai dit ça à la base de rap là. Ah peut-être, je sais pas. J'ai tué personne, t'as vu? Je suis sûr que t'en aurais buté un des deux là. Oui. J'aurais paniqué. Coup de couteau sur moi. Je veux plus voir ça. T'as tous envie ? Non, c'est pas possible. Il y a encore un truc à faire, non ? C'est si fini. Arrête. Allez. Bon, on verra. C'est parti. Bon, au pire on perd Conrad, ça va. La perte acceptable. Enfin, ça c'est pas en fait. C'est drôle parce que dans le Let's avec lui. Mais c'est quoi cet endroit? Ça finit pas. Il y a toute une partie de l'histoire qui a changé par rapport à l'autre truc. Y'a personne? Ouais!
Ouais. Alex, déjà, tu vois pas le bateau de tes potes. Peut-être vous êtes là C'est ça. Ils ont pas pensé à communiquer par radio. C'est bon, on est sauvés. En fait, finalement, vous venez pas. Et là, en fait, on est vraiment sur solo. Bah, je pense, hein. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon frère. Il est allé chercher de l'aide pour nous sortir de là, mais il y connaît rien du tout en navigation et... J'espère qu'il est vivant et qu'il va bien. Oh, on aurait dû rester ensemble. Ah, la bague, bien d'accord. Je comprenais pas ce qu'elle avait rendu. J'ai trouvé ça. Elle dit, mais non, en fait, je te la rends, j'en veux pas, moi, en fait. Ah, oups, pardon. Vous avez pas entendu un plouf? Non, c'est rien, continue. Ouais, ça, du coup, ça finit un peu chelou. Je suis, ouais, je sais pas. Félicitations. Tout le groupe est toujours en vie. C'est une bonne chose, je suppose. Il s'en est fallu de peu, mais Alex est parvenu à garder son calme. Bravo, Alex, et bravo à vous. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison, ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. C'est inévitable. Et Conrad ? Apparemment, il a envie, il va bien.
face à face à elle et que en fait ton seul moyen de t'en sortir c'est de sauter. Lui, il a beaucoup. Mais... Et d'ailleurs, dans la partie que j'avais vue de cette fête-là, l'actrice, elle sortait dans cette grande pièce-là de... avec le piano et tout. Il y a une porte au fond, elle sort. Et elle re-rentrait et la pièce avec le piano. D'accord. Là où elle trouve l'or de Manchouri, elle se rend compte de ce que c'est. Oh, parce que là, du coup, on n'a même pas vu laquelle avec. Non. Et c'est justement là où le mec la retrouve et que la prémonition avec la porte se trouve, c'est ouais. C'est là où tu peux mettre un coup de clé aussi à Fliss et la tuer. Ouais, mais c'est ce que je dis, mais c'est dans la cale normalement où... Ouais. Ah, c'est pas tout à fait dans la cale, c'est là où il est tombé tout à l'heure, je crois. Donc c'est quoi le prochain jeu d'horreur ? Je sais pas. Waouh, deux possibilités. J'ai peur que Little Hope soit trop. Bah faudrait voir déjà si on peut pas faire le setup pour justement les jeux d'horreur sur mon PC. Au moins on aura un écran plus grand. Et... Ou alors c'est... On pourra même mettre les deux casques pour le son dessus. Bah oui, moi j'avais des ports à l'arrière, j'ai des ports sur le dos. Donc au moins on serait plus obligé d'avoir un décalage au niveau des sons. Deux possibilités, soit on fait encore avec un son. Ouais, enfin, mais ça peut être aussi sympa. On est pas obligé de faire des jeux d'horreur, hein. On peut faire Perfect. Ouais, faudrait. Bah là. Pas si bien. Alors, pas besoin d'aide, c'est une bonne chose, non? Et ça, c'est la suite. Ah, ça bug un peu au niveau du son. Après celui-là, j'avais moins aimé entre tous les flashbacks de temps, etc. Ça, j'aime moins. Après, il est pas mal parce que du coup, en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la chute. La chute, je l'ai trouvé moins ouf que Man of Medan. Je me souviens plus de la chute. Mais je sais que moi, ce qui m'avait gêné un peu, c'était justement toutes les phases remontées dans le temps. Celui que j'ai vraiment préféré, c'est MCU. Until Dawn, on l'avait commencé. J'ai vu trop de choses dessus. C'est. Oui. Mais avec le nombre de let's play que j'ai vu dessus. De toute façon, ma PSP. C'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Alors, à quand le prochain jeu d'horreur, je ne sais pas. Par contre, le. Ouais. Donc, ça. Ou au pire, il reste un petit peu de temps. Là, on peut essayer de voir et faire une sorte de Stropole. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde sur le chat. Je suis pas sûr. Je pense que je... Je sais pas, Eprus, qu'est-ce que t'as à proposer en jeu d'horreur On verra, on mettra ça dans nos choix et on fera un petit... petit tirage de ce qu'il y a. En fait, c'est ça. On pourrait pareil, hein, faut voir le prix du jeu, faut voir. Enfin, il y a plein de. Attends. Tiens, d'ailleurs, je te rends ton casque et. Récupère le mien. J'ai un démarre de l'entendre. Je pense que c'est lui là, non ? Layers of Fear. Allez voir ça. Ouais, pareil, il faut voir si les graphismes ne sont pas trop mal et tout. Non, c'est pas, j'ai. Je trouve ça moche, ça va pas.
En fait, le souci, c'est qu'il faut pas que ça soit trop performant non plus, parce que mon PC, il va pas... Ouais. Tu vois. Non, mais comme, on peut... En... Ah, mais je voudrais changer un peu, peut-être, qu'on puisse jouer tous les deux en même temps, tu vois. Je peux l'avoir en VR, si tu veux. T'es intéressé ? T'as pas de... de truc VR. Ouais, je sais. Alors, je pense que le mieux, c'est d'aller direct. Je pense qu'il va falloir quitter le jeu. Voilà, le mieux, c'est de quitter le jeu. Là, il est en train de me faire laguer. Tant pis pour la cam. On dit au revoir à la cam. We're streaming our ending. D'accord. Et on va aller chercher ça sur si on n'a pas de petite bande-annonce. Phasmo pour jouer à deux. Non, Phasmo, il veut pas, donc cherche pas. C'est nul, Phasmo, en fait, genre... Years of Fear. C'était quoi le truc de la psychédélique J'aime bien le 2 qui est moins cher que le 1. Le souci, c'est que c'est pareil, ça, là, c'est un budget. Hein. T'as des petits jeux d'horreur qui sont à 3 euros, tu vois. Moi, je pensais commencer par ça. Et là... On peut jouer à deux, déjà. Il a l'air joli. Dans ses graphismes, il a pas l'air moche. Non, tu peux pas jouer à deux sur les Years of Fear. Alors. Ok. Ouais, les jeux d'horreur que j'ai déjà sur mon PC, je vais mettre le jeu. Ça compte comme un jeu d'horreur ? Ça compte comme un jeu d'horreur ? Bah ouais. Comme ça. J'ai pas beaucoup de jeux d'horreur. C'est mignon. Je sais pas si vous l'entendez. Tu l'entends ou pas ? Non. Il est possédé, vu. Je veux jouer à Far Cry avec non, moi. Non. Moi, je veux bien jouer à Far Cry avec toi. Alors, il y a pas genre voilà. En train de ronfler, il est tellement. Dark Souls. Ok. Dark Souls. Tu vas. Tu vois, tu vois. Non, il y a des petits jeux qu'on peut faire qui peuvent être assez, assez sympas. Genre Devour, je crois que c'est pas très très cher.
Mais par contre, faudrait l'acheter chacun de notre côté. Ouais. T'as pas envie? Dépend. Tu veux voir à quoi elle ressemble? Alors. Je sais pas si elle est sur Steam, alors on va voir. Elle est là. Ouais, elle coûte 4€. Et tu peux jouer à plusieurs. Faire quoi? En gros, faut que tu complètes le rite satanique pour qu'elle arrête de te poursuivre. Ce qui est un peu bizarre. Tu trouves des chèvres et tu les brûles. Ah, c'est ce que tu viens de parler. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Donc il y a celui-là, une coop en ligne 2 à 4 joueurs. On pourra même embarquer des gens dans l'aventure avec nous. Et t'as l'autre, c'était quoi? C'est le même principe, j'en ai regardé un autre tout à l'heure, je sais plus c'est quoi. Non, mets-le déjà dans ta liste. Comment on sait qu'il y a ça? Et je pense que je me mets en PLS. Hein. Là, il n'y a pas de QTE, mais putain, je crois que je me mets en PLS. Dans le même style, il y avait l'autre. Tu vois, il y a des trucs comme ça, genre en coop, plusieurs. Ouais, je dis celle-là, elle a l'air sympa. Là aussi, il a l'air cool. Faudrait qu'on se renseigne. En plus, là, tu peux taper les ennemis. C'est pas magnifique. En ce moment, Yume, elle est sur le labyrinthe aussi, en film d'horreur. Oh, en film... Oh. Ouais, c'est ça. C'est celui-là, là. Apparemment, il fait bien peur. Hein. Donc, il y a celui-là aussi qui peut être en coop. Pour autre, c'est un peu plus cher. Oui, bah même celui que je t'ai montré juste avant, il était un peu plus cher à 8-9€, mais ça reste abordable. Non, mais là, il est quand même mieux noté que l'autre que tu as montré juste avant. Mais ouais, c'est déjà plus abordable que 20€. Hein. The Sign of Silence. Ouais, c'est mitigé en fait, c'est ça? Ouais. Okay. Donc, pas assez d'avis, je crois, pour. Bon, bah en fait, on a plusieurs possibilités en vrai. Hein. L'attaque des titans. L'attaque des titans. Par contre, le jeu coûte 60€. Ouais. Par personne, évidemment. Oui, c'est ce qu'ils me proposaient dans les jeux. Coopération, apparemment, tu peux. GG, à plus pour ton level up. Si j'enlève ça, que je recherche. Après, t'as des jeux du genre Deceit ou In Silence qui sont sympas, mais c'est du multi avec d'autres gens. Genre, t'en as un qui est le monstre et l'autre, tu vois. Et je trouve assez intéressant ce. Là, regarde, il y a Myst. En gratuit, t'as celui-là, Mist of the Dark. C'est un accès anticipé. C'est un truc multi, apparemment. Mist of the Dark. Il est gratuit. Il faut voir si on peut essayer le support. Descends. Ajouter à la liste quand même, au cas où. 960, t'es largement au-dessus. Ouais.
Dead by Daylight aussi, tu vois, c'est le genre de jeu en multi, mais pareil, tu vois, c'est avec d'autres gens en ligne, quoi. Ça joue à plusieurs ? Je crois pas. Après, on peut peut-être se trouver un truc un peu sympa, genre. Ah, j'ai bien vu celui-là. Un truc, peut-être un jeu de zombies aussi. On peut peut-être trouver un truc de survie avec des zombies. Mais bon, voilà, on est en train de chercher un jeu du coup pour remplacer Man of Medan. Je pense qu'on se mettra d'accord un peu plus tard. On changera ça. Je sais pas encore ce qu'on va mettre. Après, tu peux proposer Portal aussi. Bah ouais. C'est pas un jeu d'horreur, mais ça peut être aussi ça sympa. Peut être drôle, On avait acheté Vermintide, on aurait pu essayer de, Y a de voir. On a pas mal de choses, hein, en fait, au final. On n'est pas obligé de se cantonner au jeu d'horreur. Après, j'aimerais peut-être refaire au moins un jeu d'horreur, là. Et puis après, passer peut-être sur autre chose, je sais pas. Lunch Lady. Ensemble, donc, Lunch Lady où... aussi. Elle fait flipper. Hein, voilà. Mais en gros, t'es dans une école, tu dois retrouver des trucs et tout, et ouais, tu dois éviter. Et elle fait vraiment flipper. Troisième jeu que j'ai vu tout à l'heure. Mais... Donc ouais, et le jeu, bon, bah, il coûte pas très très cher, tu vois, 3-4 euros, tu sais, c'est pas mal. Hein. On peut jouer à des jeux de coopération où il faut s'accorder pour réussir à passer. Ouais, c'est pour ça, Portal, c'est pour... Les For Dead. Non, c'est autre chose. Je sais pas. Ça, c'est la démo que j'ai fait là, il y a pas longtemps, c'est le jeu qui est avant. D'accord. Little Nightmare, c'est gratuit, il disait, faut penser à l'acheter. En multijoueur, ça ? Little Nightmares, non, je crois que c'est solo. Il me semble que c'est solo et Proust. Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu en effet gratuit. Et ouais, c'est vrai que le samedi, j'aime bien avoir un petit jeu tranquille avec Dark, même si c'est un jeu d'horreur. Voilà, c'est ce qu'il y a. Ouais, t'as flippé, mais pas non plus. Tu peurs à certains moments, mais là, c'est parce que j'étais pas tout le temps devant, en fait, si tu veux. Et je pense que la prochaine fois, j'ai un peu plus te gueuler dans les oreilles, tu vas rien comprendre. Mais là, je voulais au moins faire un format où on te montre un peu à la webcam. On en refera un autre, un de ces quatre. Mais pour le moment, là, si on peut faire chacun de notre côté et tous les deux avoir la manette, ça peut être cool aussi. Little Nightmare, où je vais le prendre, parce que c'est vrai qu'il m'intéressait. J'ai regardé ça tout à l'heure. C'est l'un des premiers qu'il m'a, qui ça m'a conseillé. Il est gratuit. Voilà. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, c'est une fin de live. On va pouvoir aller raid quelqu'un. Il est 29, c'est bon. Hein. Je pense qu'on a rempli notre contrat. Je pensais pas que Man of Medan, on me ferait si vite. Franchement, je pensais qu'on aurait encore une autre fois dessus. Perso, j'étais surprise qu'on le finisse là. Je sais qu'il est court, mais je savais pas à quel point. Alors, on aurait pu faire en une journée, limite, faire toute une soirée dessus. Et c'était torché, quoi. Enfin, bref. Donc, ben j'ai fermé mon retour de live, donc pour Red, ça va être chiant. Alors, attendez, je reviens. On va y aller. On va y arriver. Il est en coop ? Alors, Portal 2 en coop. Ouais, non, c'est ce que... Parce que Dark, il m'avait... Ouais. Il m'avait dit que c'est possible de faire, donc... Hop. Alors, qui allons-nous, Red ?
Eh ben, j'hésite. J'ai quelqu'un qui fait aussi de la survie. Alors, allons raid cette personne. Alors, je vais vérifier l'orthographe puisque le pseudo est assez long. Donc, la personne est sur Arc, vous allez voir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, du coup, je vous dis à demain pour plus de Star Wars, Guild Wars et autres jeux. Je vous dis à toutes.